Ah, est-ce qu'on est prêt? On est toujours prêt. Toujours. Toujours. On est super prêt. On est prêt. On est prêt. Déjà, on est né en étant prêt. Oui, moi j'ai dormi là. On est prêt, ouais. La saison est repartie, on est prêt et on vous attend. Nouvelle saison qui commence. Ah, nouvelle saison, on est chaud là. On est chaud. On arrive au dernier préparatif. Dernier préparatif. On se met en place tranquillement et on attend le supporter de pied ferme. On est content. On est venu exprès Strasbourg. On vient d'Alsace nous, alors. Pour voir l'île. On est lillois, mais on habite en Alsace. Voilà, c'est... Quand on peut venir, on vient. C'est les derniers préparatifs avant le début de la saison. C'est bien ça. Hello! Salut! C'est la rapide! Les gars, je vous ai vu de loin. vous êtes trop beau. Je passe à peinture. Bon. Non, comme ça, c'est mieux. Ah, ça lui va beaucoup mieux. Ça lui va beaucoup mieux. Enlève-moi ça. Non. Allez, à pronostic. 2-0. Tranquille. Je dis aussi 2-0 pour les gars. J'ai rien demandé. Bien vu. Allez, bon match, messieurs. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison? C'est notre première saison, donc logiquement, ouais. C'est votre première saison. Ouais, ouais. D'abonnés? On a suivi notre collègue. Donc ouais. Là, on est abonné pour cette année. Et donc, vous êtes venu vous équiper? On a acheté le maillot. Ouais. On a acheté un maillot. Hop. Ah bah donc, vous êtes prêts alors? On est prêts. Allez, c'est parti. Bonne saison. Merci. Bon courage. Et chez les intendants? Est-ce qu'on est prêt? Bien sûr qu'on est prêt. Un cake sportif, comme on peut les appeler. C'est toi qui l'as préparé ce matin avant de venir? On demande aux hôtels de les préparer. Et nous, on place pour que tout soit prêt pour l'arrivée des joueurs. Et par ici, qu'est-ce qui se passe? Dernier préparatif aussi? Exactement, ouais. On fait les boissons d'effort tranquillement. Et on prépare tout ça pour que les joueurs soient prêts, tout simplement, sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, il est très exactement 11h58. Les portes du stade Pierre-Roy sont ouvertes, le coup d'envoi du match aura lieu à 13h. Bon après-midi et bon match à toutes et à tous. Est-ce qu'au PC Animation on est prêt, monsieur Benjamin? On est prêt comme chaque saison, hein. On est prêt, toujours prêt, hein. Comme les scouts. Lucas, ça fait quoi de revenir à la maison? Ça fait du bien, franchement là, oh là là, j'avais hâte. J'aurais peut-être devoir mettre une casquette, tu vois, mais ouais, ça fait du bien. Jacques? Non. Est-ce que t'es prêt? Oh, tu peux pas le virer, lui. Il est bon, son badge. Il me baffe, si tu veux, hein, Jacques, avec grand plaisir. Thank you.
prêts pour une nouvelle saison de Ligue 1, cette nouvelle saison 2023-2024 avec un premier match aujourd'hui à domicile. Il y en a eu un déjà à l'extérieur la semaine dernière à Nice. Les Lillois ont fait match nul, un but partout, ça vous le savez déjà. Mais à domicile, c'est la première. Je vous rassure, on est prêt. Tout le monde est prêt dans le stade pour accueillir les 22 acteurs de ce Lille-Nantes. Quel bonheur vraiment de vous retrouver pour une nouvelle saison. C'est Nantes, c'est bien Mollet qui frappe, c'est dangereux. Ouh, et c'est repoussé par Chevalier, position de hors-jeu. Et c'est Donze Grouva, il est bien frappé. Ouh, juste à côté. Donze Grouva qui va pouvoir rentrer à la surface de réparation. Oh, Donze Grouva encore, Donze Grouva. Ouah, c'est pas de chance là-dessus, Donze Grouva qui frappe. Ouais, bon ballon là peut-être à jouer avec une nouvelle fois Zegrouva. Zegrouva encore pied gauche. Ah, il prolonge à ses belles Jonathan David. David la frappe. La barre transversale de Jonathan David. Oh là là. Et monsieur Gaius qui regarde son chronomètre et qui renvoie tout le monde au vestiaire. 0-0, pas de but dans cette première période. Crémi Cabella à droite, Zegrouva. Zegrouva qui va provoquer. Zegrouva, le centre de Zegrouva. Allez, but. Le but lillois. Yes, Jonathan David. Attention avec Kader Bamba. Kader Bamba encore. Non, il y a le coup fond intéressant là pour les Nantais. Il a surtout donné. Ah bah là, il a donné un carton rouge carrément à Alexandro. Mustapha Mohamed et l'arrêt, Lucas Chevalier. Oui, 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 Lucas. Ballon pour Kader Bamba. Le centre de Kader Bamba, pas de hors-jeu. Attention à la reprise de Mohamed. Et ça va être but, ça. Oh, ouais, but. But pour Nantes, égalisation nantaise. Alors le centre. Oh, il va être refusé le but, je pense, parce que pour moi, il y a hors-jeu au départ. J'imagine qu'on va revoir ça à la VAR, mais il me semble que Mustapha Mohamed est hors-jeu au départ. Et position de hors-jeu, ouais, ouais, c'est bien, le but est refusé. Voilà, 8 minutes en tout, on entre à l'instant dans ces 8 minutes, attention de ballon dans la surface, l'arrêt de Lucas Chevalier. Oh, Lucas qui sort le grand jeu, c'est pas fini, si c'est fini. Je vous fais un petit peu les gants, mais même pour moi, personnellement, ça me lance dans ma saison. Voilà, à Nice, j'avais pas eu beaucoup de ballons, là j'ai pu m'exprimer, aider l'équipe, donc voilà, j'espère continuer tout au long de la saison. Nantes qui presse, les Lillois qui ont le ballon, c'est bien joué ça, Youssouf Yazici, ballon en retrait, Cavalero, Ounas, oh le but, Adam Ounas, la frappe d'Adam Ounas, qui avec l'aide cette fois-ci du poteau marque, 2-0 pour le LOSC, ça y est, ce match-là va se terminer je pense en faveur des Lillois qui mènent 2-0 avec ce but d'Adam Ounas. À la fin c'était chaud, mais heureusement les entrants ils ont fait du bien. L'atmosphère amazing, amazing, allez! Faut tout gagner à la maison, faut rien laisser. Ça fait toujours du bien de marquer. Hein. C'est mon travail comme attaquant. J'essaie d'aider l'équipe le plus que je peux. Et même si c'est avec un match difficile, il faut toujours essayer de trouver moyen. Et aujourd'hui, j'ai eu de la chance. C'est ça.